ou bien bonsoir tout le monde. Je dis encore mon retenez pour une autre vidéo et bien que je me défends un petit campé, donc je vis avec activité moins. Et bon, nous repartis, nous rebalancer encore pour nous faire notre bagaille qui est vraiment important toujours. Ok, bon, et logiquement là, je dis à nous parler apprendre comment nous pouvons importer un plan de comme si pour nous sortir sur AutoCAD et puis pour nous aller dans SketchUp normalement pour nous faire élévation. Ok, bon, là, son petit plan qui nous était fait, bon, retirer à chou net parce que nous allons retirer tout à chou, je vais retirer à chou ça. Je vais supprimer ça et nous allons importer après pour nous faire élévation ensemble. Ok, plan déjà fait. Donc, dans l'autre vidéo, on va montrer comment pour nous dessiner plan, mais pour le moment, on a plus considéré plan et puis on a retiré HUO, etc. Et ainsi de suite. Ok, en partie là, logiquement là, ça c'est plan rez-de-chaussée, distribution, non, ça c'est étage là, ça c'est plan rez-de-chaussée, distribution ADC, et puis, mais ça n'a pas fait, on a sauvegardé ça, ok, bon, pas monter, j'ai sauvegardé déjà, c'est CTRL S. Faut que nous gagnions un dossier déjà. Je vais pour nous sauvegarder là encore. Nous sauvegarder là nouveau. Et puis, moi, pour aller dans le dossier que côté que nous avons. Moi, sauvegarder là. Moi, là, mais là. C'est aide architecture. Il y a là, tout de suite, là, si nous voulons fermer ça. Ok, fermer ça. Sauvegarder yes encore. Et puis, on a balancé SketchUp nous normalement. On a balancé SketchUp nous là. Ok, là nous venons tout de suite là dans SketchUp et puis nous allons importer plan. Ok, importer plan, on a fait fil, import et puis on a pris AutoCAD DWG. Sûrement, faut que nous marquions. Ok, faut que nous venions là AutoCAD DWG avec DXF. Ok, on a pris ça, on a cliqué sur lui, on a fait option, on a fait. Mettre si nous devons travailler en mètre, mettre en centimètre tout si nous devons travailler en centimètre. Si chaque mesure, chaque fois nous mesurons, si en centimètre nous démesurons, donc nous mettons en centimètre. Mais si c'est en mètre nous mesurons, nous mettons en mètre. Moi-même, quand nous mettons en mètre, nous quittons en mètre. Ok? Si vous voulez, vous pouvez toujours cocher comme ça ou qu'il y ait origine et dessin, c'est pas un problème. Mais pour ça, vous pouvez quitter le dos, pas grave. Ok? Pas de problème. Donc, comme dans la forme, vous quittez et puis après ça, m'a cherché. Document marine et d'architecture, fait de clic, une et d'architecture encore, et puis après ça, je clique, je fais open, je vais peut-être télécharger, presque, et voilà. Quand j'ai obtenu, je fais close. Si toutefois, pas ta web dessin tout, ou t'es qu'à aller dans zoom étendu, et puis après ça, vous pouvez venir. Donc là, dessin venu, je vais passer une sélection pour être capable de clair. Ok. Et dessin venu sous forme groupe, ok. Ça veut dire, du tout groupé. Ok, après là, logiquement là, écriture, va arrêter, etc. Ok. Bon, ok. Et il y a deux possibilités, les plans venus comme ça. Et parfois, plan qu'on venu, il va venir sous forme groupe. Les juste venir et puis chaque trait son trait, vous comprenez, chaque trait comme si yo vienne séparer gens que de fait dans la vidéo me démontrer nous les objets à pas grouper comment dire, etc. Mais ça qui bon pour nous c'est quitter le groupe. Ok, mais comme ça tout qu'on ne pas parler sur groupe les ça ou sélectionner et puis ou mettre dans le groupe, vous comprenez. Et si nous voulons travail et ensemble avec sans que nous pas comme on dit ça sans que nous pas utiliser groupe là, donc nous avons fait après une fin faire un clic sur dessin et puis ça nous fait clic droit et puis nous aller dans explode le ça nous explode li comme on dit ça et puis là nous capable passer très sous chaque grain lio pour vous montrer nous oui dès que nous passer très là comme ça. Je vais passer très là pour être capable de jouer une surface pour être capable de créer une surface et puis après ça pour commencer avec et push-pull pour me travailler. Mais je vais travailler comme ça. Je vais faire CTRL Z pour me tourner et j'ai une idée auparavant. Ah, CTRL Y. Je vais tourner j'ai une idée auparavant là. Ok. Pour une bagarre qu'on fait, nous supposons toujours sauvegarder le dessin. Ok. Faut que nous sauvegardions donc nous ne pouvons pas travailler et puis ne pas sauvegarder le dessin.
et m'obliger à sauvegarder, ok? Fait CTRL S et puis moi ben non moi ben, et d'architecture desktop et d'architecture la module pas et d'architecture bon voilà non et voilà et voilà et voilà et voilà bon je vais mettre là et d'architecture et puis comme ça me dit 0 me dit et d'architecture 0 me dit aide 0 est-ce que là pour le module ok et voilà.